Le ministère de la formation professionnelle et de la promotion des métiers a organisé ce 10 octobre une journée d'information à l'endroit des responsables des écoles des métiers professionnalisants. L'objectif est d'asseoir un partenariat public-privé en vue de valoriser ce secteur et aussi de lutter contre le chômage. Ali Mohamed Bello. Ils sont nombreux les diplômés sans emploi. Nombreux puisque tous ont les yeux rivés sur la fonction publique. Face à ce chômage, la nécessité d'orienter les jeunes vers la formation professionnelle s'impose. À travers cette journée d'information, le ministère de la formation professionnelle et de la promotion des métiers, les responsables des écoles professionnelles des arts et métiers et d'autres professionnels des métiers veulent asseoir un partenariat public-privé en vue de promouvoir ces secteurs. Ceci dans l'optique de lutter contre le chômage. L'école, comme l'a laissé croire la directrice générale de la formation professionnelle, ne prépare pas à la réalité de la vie active. Il faut rappeler que le taux de chômage des diplômés et le taux de déperdition scolaire sont élevés parce que l'école ne prépare pas assez à la réalité de la vie active. Dans la plupart des cas, les élèves manquent d'informations pertinentes sur la formation professionnelle et les filières et leurs débouchés. L'analyse du marché de l'emploi au Tchad révèle que pour les 10 années à venir, l'économie tchadienne aura un besoin annuel en main-d'œuvre estimé à plus de 63 000 personnes. Le secteur professionnel étant vierge, il faut, selon les ministres de la formation professionnelle, apprendre aux jeunes ce qu'ils doivent faire et non ce qu'ils doivent retenir. Il faut orienter la formation des jeunes vers la production et la transformation sur la base des opportunités économiques nationales. Il s'agit ici de faire des jeunes des agents véritablement économiques, donc productifs et rentables. L'accent sera mis sur le secteur de l'agro-sylvopastoral et halieutique. Nous nous inscrivons donc dans ces critiques: instruire, éduquer, socialiser. L'autre temps fort de la journée est la présentation du ministère avec toutes ses entités. Créé en 2016, le ministère de la formation professionnelle et de la promotion des métiers a pour mission de promouvoir, entre autres, l'insertion socio-professionnelle, la politique de l'emploi axée sur la formation des jeunes, la microfinance et la création des emplois décents afin de réduire la pauvreté au Tchad. Un mot en politique dans ce journal, le président de l'Union des jeunes pour le renouveau du parti RUNDR a animé une conférence de presse ce matin face au journaliste Miarim Dilaïvariste. S'est exprimé sur la situation sociopolitique du pays. Varelaji. C'est à travers cette conférence de presse que le président de l'Union des jeunes pour le renouveau, Miarim Dilaïvariste, du parti Union nationale pour le développement et le renouveau, a fait le bilan de sa mission dans la zone méridionale du pays. Le but principal étant la restructuration des organes des jeunes du parti UNDR. Le message de l'UGR à la jeunesse tchadienne est clair. Tu dois te battre pour ton devenir. Tu dois te battre pour les droits à l'éducation, à l'emploi, le droit d'élire et d'être élu, le droit de jouir de tes libertés d'expression et d'action. Tu as le droit de léguer à la génération future un Tchad meilleur. Pour Miarim Dilaïvariste, les jeunes du parti sont déterminés pour la triomphe des idéaux de cette formation politique. Les échanges avec les hommes des médias se sont focalisés sur le choix du Sud pour la restructuration des organes des jeunes du parti, l'audit des diplômes et la réforme institutionnelle en cours. En réponse à toutes ces préoccupations, Miarim Dilaïvariste souligne que le parti UNDR est installé sur l'ensemble du territoire national et dans les jours à venir, une mission procédera à l'installation des organes dans les autres régions. Concernant l'audit des diplômes, il interpelle le gouvernement à l'utilisation d'une méthode cohérente pour la bonne marche de l'opération. Enfin, pour la réforme institutionnelle, Miarim Dilaïvariste affirme que l'UNDR privilégie le dialogue inclusif pour la bonne marche et le développement du pays. Au bas de ce journal sport, la Fédération tchadienne de basketball entend relancer la discipline. Elle passe donc par la formation à la base en stage des jeunes, est organisée en N'Djamena. L'objectif est de former un noyau qui sera l'équipe des cadets. Innocent Kilayo.
C'est par les fondamentaux de base que l'expert américain en basketball a commencé son stage avec la quarantaine de jeunes issus des différents centres de basketball de la capitale. Après une trentaine de minutes bien dosées, l'expert américain Jacob William passe à une deuxième étape de sa formation. C'est la phase de technique de dribble. Rien que pour cette journée d'aujourd'hui, l'Américain reçoit déjà les bonnes appréciations de ses poulains. Je trouve ça vraiment très bénéfique. Il est venu encore approfondir ce que nous, nos entraîneurs, nous ont déjà appris. Donc c'est en quelque sorte une répétition. Et comme c'est une nouvelle aussi personne, il nous donne encore davantage de ces entraînements. On nous apprend à dribbler, à faire bon, d'abord les fondamentaux. Et je crois que c'est une chose très bénéfique pour nous les joueurs. À la Fédération tchadienne de basketball, cette formation des jeunes est d'une importance capitale. Nous avons un projet ensemble, aider à promouvoir le basketball dans notre pays, aider à élever le niveau de basketball au niveau du Tchad, pour rendre très compétitif aussi notre équipe, parce que bon, vous savez, il y a des difficultés qui se ressentent sur le terrain ici, et c'est dans ce cadre-là que nous avons demander que notre frère vienne nous appuyer ici au Tchad. La formation des jeunes basketteurs de la capitale durera 5 jours. Après N'Djamena, l'expert américain va se rendre à Sarre pour former les jeunes du sud du pays. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, 21h30 avec Hassan Diallo pour l'Arabe local, 23h30 pour les dernières informations de la soirée sur Télé-Tchad.